Les tests de fertilité. Dans cette petite vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consistent ces tests, comment ils peuvent aider les couples qui souhaitent concevoir un enfant et quelles sont les implications de ces tests. Si vous êtes nouveau ici, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification, de cette manière, tu seras informé de nos futures vidéos. Pour commencer, il est essentiel de comprendre ce qu'est la fertilité. La fertilité fait référence à la capacité d'un individu à concevoir naturellement un enfant. Elle peut être influencée par divers facteurs, notamment l'âge, la santé générale et d'autres éléments. Les tests de fertilité sont essentiels pour les couples qui rencontrent des difficultés à concevoir. Ils aident à identifier d'éventuels problèmes de fertilité, qu'ils concernent l'homme, la femme ou les deux partenaires. Cela permet d'identifier la meilleure approche pour augmenter la chance de concevoir. Il existe plusieurs types de tests de fertilité, notamment les tests hormonaux. Ils évaluent les niveaux d'hormones impliqués dans la régulation de la fertilité, comme la FSH et la LH. L'échographie pelvienne permet de visualiser les organes reproducteurs et de détecter d'éventuelles anomalies. Le spermogramme évalue la qualité et la quantité de sperme chez les hommes. L'hystérosalpingographie, c'est une radiographie pour vérifier si les trompes de Fallope sont obstruées. Les indicateurs de l'ovulation aide à déterminer quand une femme est la plus fertile. Une fois que les tests de fertilité sont effectués, les résultats peuvent avoir diverses implications. Si des problèmes de fertilité sont identifiés, cela peut guider le traitement, notamment des traitements de fertilité, des médicaments ou des interventions chirurgicales. Les résultats peuvent également aider les couples à prendre des décisions éclairées, comme par exemple la fécondation in vitro. Les tests de fertilité sont un outil précieux pour les couples qui souhaitent concevoir un enfant. Ils aident à identifier d'éventuels problèmes de fertilité et guident les décisions quant au traitement et aux options. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.